Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que ça y est, c'est officiel, il va y avoir une partie 3 pour l'anniversaire de Dragon Ball Legends avec probablement un nouvel ultra en approche. C'est le compte officiel Dragon Ball Legends qui vient de tweeter et ils ont bien dit que le live de la partie 3 arrivera le 12 juillet. Donc bien sûr, on sera ensemble en live sur ma chaîne YouTube pour découvrir cette partie 3 et les nouveaux personnages. J'ai hâte, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et me dire ce que vous attendez comme nouveaux personnages pour la partie 3. Yeah! Yo tout le monde, ça fait le geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP pour aller jouer le tag Cyborg C17, C18 LF qu'on a PZ gratuitement hier en live. Il est monté à 6 étoiles. Alors pour ceux et celles qui se demandent comment j'ai fait pour le PZ gratuitement, et eh bien je vous laisse aller regarder la rediffusion du live car elle est disponible. En plus de ça, pendant ce live on avait également ramassé quasiment 2500 cristaux, donc hier c'était un live farm vraiment très intéressant en termes de PZ LF mais également de cristaux, surtout que la partie 3 pourrait ne pas tarder à arriver sur le jeu Dragon Ball Legends. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que ça va cogner? Bon, j'ai un petit peu ma petite idée là-dessus pour avoir affronté plusieurs tags Cyborg, mais je l'ai mis également avec le Goku SJ3 LF, le tag également Goku Blue Vegeta Blue, comme ça au moins j'ai les deux tags dans la team. Alors bien évidemment, on peut faire beaucoup plus optimisé pour le tag Cyborg, mais moi par exemple, mon sel LF, etc., il est seulement 3 étoiles, tout ça, j'ai pas vraiment une team Cyborg bien optimisée pour en profiter. On verra ça plus tard. Donc là, je joue avec les persos qui me font kiffer. Let's go les amis, on est parti, max de pouces bleus, en mode Genki Dama, yeah! Allez, on est parti pour cette première game, voilà, les deux tags avec le Goku SJ3, on va voir un petit peu ce que ça va donner, en espérant avoir des games de qualité, hein, pas de lag, pas de connexion instable, pas de crash, ça serait plutôt pas mal. Après, ça serait bien lui aussi qui valide sa game. Bon, après, ça va, il a quand même le Broly, voilà, à 10 étoiles, il a le Vegeto Blue Zenkai, le tag également qui est à 5 étoiles, on va voir ce que ça va donner, les amis. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Il y a du lourd qui arrive prochainement. J'en dis pas plus, vous verrez bien. Et n'hésitez pas également à aller vous follow sur mes réseaux sociaux. Le lien de tous les réseaux sociaux est dans la description de cette vidéo. Alors, il a pris le tag, il a pris les deux Broly. Et bah, let's go les gars. On est parti. La petite verte, voilà, on ramène l'aspect. Ok. Ok. Ah, ça a lagué un peu. Oh là, ça lag. Bah, mais j'ai pas pu esquiver parce que ça lag. Super, ça commence. Première game. Voilà. Ish. Donc là, ça devrait faire mal. Hein. Son Broly, là, il devrait ramasser. Là. Là. Ouh, on a fait le one shot. Oh là 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 là. Ok. Oh non, mais par contre, la connexion. Faut que je le fume là. Oh là 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 là. Oh là là. Allez, bim, ça dégage. Avec la connexion, c'est horrible. Déjà un en moins. Allez, forcément. Ok, donc là, faut que je fasse gaffe. Voilà. Ah ouais, mais non, mais. Oh, et franchement, la première game, elle est horrible. Franchement, elle est horrible. Horrible, les gars, c'est. Bon. Oh là 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 là. C'est pas possible. Mais la vérité, c'est pas possible de jouer comme ça. On va se ramener une spé. Donc là, il attaque. Vas-y, let's go. Allez, mange-toi ça. Huch. Voilà, ramasse. Et bim. Oh, dommage. J'aurais bien voulu un one-shot. Ah. Ok. J'ai résisté un poil. C'est pas mal. Ah. Bien, 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 bien. Attention, franchement, avec les lags, les gars, pour la tempo, tout ça, c'est compliqué, donc on fait avec. Oh là 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 là. Ok. Ok, très bien. Il va Rising Rush. Vas-y, la Blast. Franchement, les gars, je suis désolé hein, pour cette qualité, mais bah, c'est pas vraiment de ma faute. En plus, on contre pas. On se retrouve en difficulté à cause de la connexion, quand même. C'est... On le redira pas, hein. On veut des serveurs sur le jeu. Tant qu'il n'y aura pas de serveur, bah des fois on aura des games comme ça. C'est bien dommage d'ailleurs. Ouh là 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 là.
Huch, voilà, bim, hop, tu te l'es mangé. Allez, un au moins. Allez, le tag. Ok. Voilà. Blast encore, voilà. Blast encore. Bon, et puis je vais Rising Rush, je me casse pas la tête. Voilà. On va Rising Rush. Si on peut, on t'éclate la tronche direct. Et puis on passe à une game suivante parce que là, franchement, ça a été compliqué. Hein. Ça a été très très compliqué. Allez, c'est bon, ça passe. Merci, on pose le téléphone. On va vite enchaîner la game suivante parce que voilà. En fait, Dragon Ball Legends, franchement, c'est un excellent jeu. Mais quand ça lag pas, quoi, tu vois, le PVP, comme il n'y a pas de serveur, bah tu te retrouves avec une qualité comme ça, et bah forcément, il n'y a pas vraiment de plaisir. Que tu gagnes ou que tu perds, regardez la preuve, j'ai gagné, mais est-ce que j'ai pris du plaisir? La réponse est non. Ok, il y a du Migaté 10 étoiles en face de nous. On va faire quand même attention parce que ça peut aller vraiment très très vite. Donc nous, on prend les trois mêmes et on recommence. Mais il faut faire gaffe quoi, parce qu'il a quand même là le Migaté, le Vegito Buzenkai, le Goku Ultra Kaioken. Même le Whis, il peut être assez embêtant. On va voir. On va voir. Ok, il a pris le Vegito, le Goku. Ok, très bien. Ok, il a pas pris le Whis et tout. 10 étoiles par contre, le Migaté, 10 étoiles... Faut faire gaffe, hein, voilà. En plus, on connaît la double esquive. Enfin, voilà, il esquive automatiquement. Et en plus de ça, il tape automatiquement. Le mec, en fait, le perso, il fait tout automatiquement. Allez, on est parti. Ok, parfait. Voilà, il va mettre le... Voilà, je m'en doutais, il mettait le Goku Ultra Kaioken. Voilà, ok. Voilà, hop, bim. J'ai eu un petit lag, voilà, merci. Merci le lag. On n'a pas pu continuer comme on voulait. C'est pas grave, allez. Allez, 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 allez. Voilà, ça lag un poil, hein. Je pense que vous le voyez également. Mais bon, on va faire avec. Hein. On va faire avec. C'est pas très fluide aujourd'hui. Hein. Il y a des jours comme ça où, bah, malheureusement... Des fois, c'est pas très très fluide. Mais bon. Pour l'instant, ça va. On n'est pas trop mal, mine de rien, quand même, dans cette game. Ok. Ish. Oh, bah là. Bye bye. Hein. Ouais, ça... Bye bye, mais non. Parce qu'il a mis le Migaté. Et puis, vu que ça lag et tout ça, c'est, la... c'est relou. Oh, ça, par contre, c'est pas mal, ça. Voilà. Hop. Bim. Voilà. Ok, parfait. Ça, c'est parfait. Hop. Voilà. On va Rising Rush. Je vais Rising Rush là-dessus. Comme ça, je me pose pas de questions. Ça serait bien que tu me contres pas, mon bonhomme. Comme ça, au moins, voilà. Ça en ferait un au moins. C'est bon. Il contre pas. Ouh, c'est chaud, hein, quand même. C'est chaud parce qu'en fait, c'est pas chaud parce que le mec, il a du skill en face ou quoi. C'est chaud parce que la connexion, les lags, tu peux pas faire des tempos. Break cover et tout, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, tu dois t'adapter en fonction du jeu, tu vois. Ok. Je pensais qu'il allait attaquer direct. Ok. Donc là, il a fait une spé. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Parce que là, normalement, là, on va le shooter, là. Là, normalement, on va le shooter, là. Le point du dragon, frère, tu vas le goûter. Tu vas aller à la cuisine ramasser ta tartine de Nutella. Let's go. Allez. Et voilà, ça dégage. Allez. Prends ton cartable, va à l'école. Ok, donc là, il a fait le main. Là, je ramène une strike. Ok, donc là, il a déjà esquive. Mais il a encore sa double jauge d'esquive. Donc, et là, il fait mal. Là, oh, bah, en plus, il rising rush, très bien. Allez, la verte. Dis-moi que ça va passer. Dis-moi que ça va passer. Dis-moi que ça va passer. Ferme ta bouche, Sofiane, ça passe pas. Voilà, c'est... Allez, let's go. Faut faire attention à son Migaté quand même. Parce que là... Voilà, donc là il va taper. Mais au moins, j'enlève sa jauge d'esquive. Ok, là c'est bon, il a réesquivé. Et là après, normalement, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'esquive, normalement. Enfin, plus il tape, plus il va en reprendre de la jauge d'esquive, mais bon. Voilà, parfait ça. Allez, c'est maintenant. Le tag. Allez. Allez, le tag. Huch. Huch. Moi, j'ai du mal, là, parce que ça lag. Donc, c'est pas ouf. Par contre, le tag, ça fait mal, là. Le tag, il a fait mal. Voilà.
Ok, donc là il a fait la verte. Très bien. Ok, Améa. Ok. Ok, bah tu peux recharger, bonhomme. Recharge. Fais-toi plaisir. Voilà. Ich. Allez, pour le beau jeu. Le LF, laisse-le, s'il te plaît. Laisse-le. Laisse-le. Laisse-le, le LF, légendaire et finisher. Yes. Oh là 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 là, le tag magnifique. Je voulais un LF durant cette vidéo. Au moins, on l'a. Et en plus, sur le Migete no Gokui. Incroyable. Incroyable. Voilà. Il est magnifique, ce LF. Vraiment très, très beau. Bon, c'était encore une game avec des problèmes de lag, etc. Mais bon, bah, on fait avec, les gars. On fait avec. Et bon, du moment qu'on a la win, c'est déjà une très bonne chose. Et en plus de ça, on a fini avec le LF de C17-C18. Ça fait 14 étoiles, le tag Goku Blue, Vegeta Blue en face de nous. Bon, on va prendre les trois mêmes et il va falloir aller se taper. Mais là, attention, 14 étoiles, le tag. Ça, c'est voilà, c'est chaud. En plus, il y a le Vegeta Zenkai également. Lui, il est chiant avec son main. Quand il fait l'ultime, il te lock. Ça peut faire un kill très rapidement. Donc là, il va falloir faire très attention. Très bien. Ah, déjà, ok, il a pas pris le Vegeta, très bien. Il a pris le Mingate, il a pris du coup le Vegeto Blue Zenkai. Bon, déjà, le fait qu'il n'y ait pas Vegeta, c'est déjà pas mal. On va voir. Let's go, hein. Voyons voir un petit peu ce que ça va donner durant cette game. Allez. Donc, 14 étoiles en face. Ok. Voilà. Ok, c'est bon, ça passe. Voilà. Ich. On fait l'aspect, voilà. Ok. Parfait, ça. Let's go. Il a mis le Migete no Gokui. Ok, let's go. Parfait, ça. Il a foncé tête baissée. Donc là, on va bien arracher. Voilà. Ich, là, on va switcher. Voilà. Et puis là, on va Rising Rush. Là, on a bien joué. On a bien joué le coup. Me contre pas. Ça m'arrangerait, tu vois, que tu ne me contres pas. Et là, franchement, on a bien joué le coup. C'est bon, ça passe. C'est intéressant. C'est intéressant ce qu'on vient de voir là. Comme quoi, la team, elle tourne plutôt bien. La team que j'ai faite là, ça a vraiment bien switché proprement. Rising Rush, tout ça. C'est intéressant. Allez, let's go. Le 14 étoiles déjà, cuisine. Allez, va faire la vaisselle. Forcément, il passe à travers les blasts. Ok. Ok. Je peux pas switcher sur le tag, hein, sinon il va me l'arracher. Oh, fais l'ultime maintenant. Yes, bon, vas-y. On va mettre le Goku SSJ3. Ça va tanker, mon bonhomme. Ah bah oui, ça va tanker. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, le Goku SSJ3, du coup... Qui va tanker. Parfait. Parfait, parfait. Ok. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Ok, là, il a bien arraché, là. Ok, parfait, ça. Donc là, c'est 18, là. Ouh ! Merci. Oh, bah là, c'est 18 sur du bleu. Elle va se faire plaisir, hein. Elle va se faire plaisir, la cocotte. Voilà. Voilà, voilà le tag. Voilà le tag dans toute sa splendeur. Magnifique. Donc là, c'est bien parce que là, elle a esquivé. Enfin, il a esquivé, je veux dire. Voilà, parfait ça. Ush. Voilà, on ramène une spé. Ah, la Rising Rush. Je l'avais oublié, son Rising Rush. Je l'avais oublié. Bon, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Eh ben, ça passe. Très bien. Très bien, ça passe. Mais on est quand même pas mal dans cette game. Franchement, on est quand même pas mal. En plus, elle est quand même assez fluide. Contrairement aux autres games qu'on a fait avant. Voilà, hop, voilà. Moi, tout ce que je veux, c'est enlever ta double jauge d'esquive. Voilà. T'as esquivé, ok. Ok. Alors là, maintenant, faut pas faire le ouf avec le tag. Il a fait son main. Oh là, attends, mais c'est pas gagné. Parfait, ça. Allez, le tag. Faut arracher le Migate, là. Ush, le tag. Ush, le tag cyborg. Ush, le tag cyborg du... Ush, on va switch. Yes,
peluche, boum. Voilà, c'est... Bon, voilà. Voilà, les gars, pourquoi on voulait monter le tag C17-C18-LF à 6 étoiles. C'est pour ça. C'est pour ce genre de choses qu'on voulait le monter. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà, là, le migaté, il est parti ramasser ses chicots. Hein, et puis là, il est en train d'étaler la confiture de fraises sur la tartine. Donc, voilà. Voilà, les amis. Bah, écoutez, le tag, vraiment très puissant. Hein, ça fait partie des meilleurs personnages du jeu. Il n'y a rien à dire. Voilà, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Max de pouces bleus sur cette vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications. Surtout qu'il risque d'y avoir du lourd pour la partie 3 Dragon Ball Legends qui risque d'arriver prochainement, qui va pas tarder à être annoncé. Du moins, je l'espère. Donc, activez la cloche pour ne rien rater. Et puis, bah, comme j'ai pu vous le dire, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek.